dort près de la Seine, près de la Seine à Paris, sous le mât de misaine du bateau. When she frowns, there's disdain in it, but her smile is champagne in it. She breaks hearts and collects the debris. Mademoiselle de Paris. Le voleur de pervenche, il est encore en prison. Aimait une autre femme, je m'en irais pour lui. Ma vallée descend du ciel en marchant dans les pierres et suivant la rivière. La musique effeuillant la douceur Habanera. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Bravo, bravo, bravo. Et les chansons éternelles, on se dit il y a quelqu'un derrière, mais on l'oublie complètement tout le temps. Parce que cet après-midi, j'ai rencontré un vieux bonhomme qui a fait des chansons que vous connaissez toutes, sans même tous. Mais c'est vrai que c'est des chansons humaines, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière l'histoire, c'est pas une histoire... c'est une histoire, on sait bien que c'est pas la sienne, mais c'est écrit d'une façon humaine, on reconnaît quand même quelqu'un. On lit quelqu'un, on lit pas des mots qui sont mis bout à bout et avec le nombre de pieds qu'il faut et tout ça, quoi. C'est une valse. Ah oui, c'est une valse. J'adore les valses. C'était qui m'a tout cette jour et nuit. C'était n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Ouais, je me sens proche de ça. Puis ça fait partie de ma culture. C'est ma culture autant que le rock'n'roll, quoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. C'est des chansons où il faut développer quelque chose, sinon t'as l'air con, quoi. Palam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Palam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Palam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue, sur cette terre qui m'a reconnu. Il y a un certain humour. Moi, souvent, dans mes chansons tristes, il y a plein de trucs que j'ai mis pour rigoler. Hein. Je pense que pour vous, c'est pareil, quoi. Oui. Absolument. Moi, je le sens bien, cet humour intérieur, intrinsèque. Ah, c'est très bien que vous le sentiez. Oh, oui, bien sûr. Oui. J'en ai tout un solfège sur cette tête qui bat comme un cœur de bois. Bon, je suis sorti en 1923 d'une école spécialisée, ingénieur, s'il vous plaît. Et j'ai même passé 2 ans de ma vie d'études supplémentaires pour entrer à Supélec, supérieur d'électricité, qui est une grande école. Et je me suis fait virer au concours d'entrée. Je passais mes matinées à écouter Damien, Fréhel, toutes les vedettes de l'époque, y compris Yvonne Georges. J'étais plus sensible à ce genre de voix qu'à une petite soprano qui chantait une petite bleuette. Ça me faisait le petit choc.
Vous voyez, j'étais pour les chanteuses réalistes et un auteur réaliste par la suite. À force d'aller dans tous les musicals parisiens, depuis le petit casino là, jusqu'au concert Pacra, je suis intoxiqué de chansons. Alors j'ai envie d'écrire des chansons. Mais comment ? Pierre Bell, qui était un type assez célèbre à l'époque, hein, il avait fait Si Petite pour Lucienne Boyer. Il me dit, mais il faut faire des chansons pour Lucienne, elle cherche des chansons un peu plus sérieuses, un peu moins à l'eau de rose, un peu moins jolies, un peu moins... Il faut que tu lui montres ça. Ben, je montre quelque chose, deux ou trois chansons à Lucienne. Elle m'en prend une qui s'appelait Traversée. Eh bien, elle me la prend. Et elle me la rend 2 jours après l'avoir chantée, la pauvre, parce qu'elle a fait un bide noir avec. Le bateau s'appelle la vie, vient contre moi, à nous aimer, il nous convive, mais méfie-toi. J'ai été acteur dans un ou deux films comme Le Capitaine Benoît, enfin des films de ce genre, mais surtout figurant dans Katia avec Daniel Darieux, Les 5 sous de la Marède, avec Fernandel, j'avais une réplique avec Fernandel, j'étais fier. J'avais été journaliste sérieusement à Paris Midi, et puis des petits journaux de cinéma à côté, des petits journaux corporatifs. Un ami m'a appelé de Paris Midi en me disant « Je crois que j'aurais besoin de toi pour Piaf. » Ah oui, pourquoi ? Alors Piaf rentrait de zone libre. Et il m'a chargé de recevoir Piaf à Paris. C'est comme ça que j'ai connu Edith. Elle rentrait pour tourner Montmartre sur scène et je l'ai connue au moment de... Enfin, sur le tournage, j'y suis allé, je l'ai accompagné, mais je l'ai vu avant, quand elle répétait à l'ABC. J'étais terrorisé, tétanisé, j'étais tout ce que vous voulez, mais j'étais absolument ahuri d'avoir à côté de moi Madame Piaf. Edith m'a dit un jour, vous avez une drôle de façon d'écrire Henri. C'est, vous n'écrivez pas comme tout le monde en lisant mes papiers dans les journaux. Vous ne pourriez pas m'écrire une chanson? Moi, je suis resté au garde-à-vous. J'ai dit, c'est pas vrai. Mais je vais le faire, oui, d'accord, je vous écris une chanson. Je m'y suis mis, 2-3 jours après, je lui ai apporté le texte. Elle a dit, mais c'est formidable, vous avez un musicien? J'ai dit, oui. En pensant bah, à qui je vais donner ça, puis j'ai pensé à Jean-Jacques. Automatiquement, je connaissais que lui. C'était une histoire d'amour. Jean-Jacques, c'était le pianiste de ma première femme. Ma première femme s'appelait Charlotte Dovia, et elle chantait, et c'était son pianiste. Et j'avais personne d'autre sous la main, je connaissais personne dans le milieu, moi. Et de guinguette. Vincent m'a fait venir chez lui parce qu'il avait été étonné par une phrase. Il m'a dit, écoute petit, tu écris un truc que je comprends pas bien. Tu écris, tu parles d'une guinguette, tu dis où le printemps me faisait la cour. Alors le printemps fait pas la cour. C'est que, pourquoi tu dis ça? Tu crois que le printemps c'est un mec alors? Pour toi le printemps c'est un mec? Elle dit oui, pour moi le printemps c'est un mec, je le considère comme un être humain. Dans ma petite vie il y a 2 garçons, il y en a un brun et puis un blond, qui m'aiment tous deux à leur manière. C'était autobiographique, oui. Elle avait un jeune chanteur que vous avez peut-être connu, qu'elle couvait très bien, qui s'appelait Yvon Jean-Claude, qui avait une superbe voix de basse.
et qu'il lui faisait la cour, et j'en étais un peu jaloux. Alors le brun c'était Yvon Jean-Claude, le blond c'était moi. Bon voilà. Et le blond n'a qu'à s'amener avec son air de rigoler. C'est pour lui que j'ai envie d'être belle. Raymond s'intéressait beaucoup à moi d'ailleurs, au jeune auteur que j'étais, parce que lui aussi était épaté par la manière dont j'écrivais. Il ne comprenait pas, remarquez. Il disait, je comprends pas pourquoi elle veut plus de moi, parce qu'elle lui avait dit carrément, je veux plus te chanter. C'était tout simple, il m'avait dit, j'adore Raymond, il a tout fait, je lui dois tout, mais il est complètement démodé, il ne se rend pas compte du tout que c'est terminé, et le vieux Montmartre, et les macros, et tout ça, il ne se rend pas compte que c'est terminé, je ne veux plus rien chanter de Raymond. Alors, toi tu le remplaces, c'est tout, il n'y a pas d'autre problème. Eh bien, depuis je suis auteur de professionnel, hein, j'ai rien fait d'autre. Elle s'appelait n'importe comment, d'ailleurs ça n'a pas d'importance. Il lui demanda tout simplement, y a-t-il moyen de faire connaissance? Bien, il y a eu d'abord Raymond Asseau. Avec qui vous avez écrit? Mon légionnaire, après Henri Comté. Marguerite, c'était la musique totale. D'ailleurs, vous savez qu'elle avait été concertiste à l'âge de 10 ans ou quelque chose comme ça. C'était une femme ahurissante. Moi, je l'appelais la femme fée, d'abord. Parce qu'elle vivait dans un monde à elle, ailleurs. Marguerite, combien ça coûte, à ton avis, un kilo de pain? Mais qu'est-ce que tu me demandes, là? Moi, j'en sais rien. Je sais pas, moi, 100 francs, 2 francs, j'en sais rien, je sais pas. Bon, elle est complètement hors de la vie, hein. Totalement. Elle vivait pour l'amour et pour sa musique. Et tout ça dans le même désordre. Je me souviens d'avoir vu Marguerite Monod entrer dans un grand magasin, un jour de pluie, avec un parapluie ouvert, en passant par une porte tambour, elle se donnait un mal fou. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Elle protestait, qu'est-ce que c'est? Elle s'est revue dans le magasin, dans une glace. Oh. Alors ça, pour moi, c'était l'époque d'il n'y a pas de printemps. Il n'y a pas de printemps le long de ma vie. Je ne vois pas vos calendriers. J'ai beau faire des économies, printemps, je ne peux jamais me le payer. Il y avait un petit homme qui s'en allait à pas compter. Il avait l'air bien économe, le petit homme. Elle travaillait beaucoup pour les prisonniers, avec les forces de la résistance, Edith. Et pas très adroitement, j'avais un peu peur, quoi. Oui. Mais elle s'en tirait fort bien parce que avec sa gouaille parisienne, elle faisait tout passer auprès des Allemands. Elle tutoyait Goebbels, enfin bon. Ah, j'étais lui curieux, étant donné que la maison de Madame Billy était une maison un peu particulière, dans laquelle le manager du moment de Piaf avait retenu un étage pour qu'elle soit chauffée. Parce que chez Billy, c'était chauffé. Pendant qu'on dînait tranquillement, deux filles à poil qui sont mises à dégringoler des escaliers en se courant l'une après l'autre. Bon, c'était un peu ahurissant, mais voilà, par ça. Un jour, Henri m'a donné le départ en disant, tiens, c'est toujours la même histoire. Et j'ai fait la musique, je l'ai montré à Edith, on lui a montré, on a fini, et Edith l'a enregistré. C'est toujours la même histoire, j'ose à peine. Le thème principal, enfin le refrain, c'est toujours la même histoire, ça pourrait très bien être un cantique et anglo-saxon. Faites semblant de m'écouter. Un jour, avec Edith, on s'est retrouvés aux Champs-Élysées au rond-point. Puis on a dit, on va remonter les Champs-Élysées comme Sacha Guitry, mais on a fait tous les bistrots. Alors il y avait un bistrot, c'était pour la France, et l'autre bistrot, c'était pour l'Angleterre. Et quand on est arrivé rue de Balzac, c'est quand même, ça fait un bout de chemin, là, on a été obligé de porter Edith, parce que
Elle commençait à être fatiguée quand même, parce que les vins blancs commençaient à peser un petit peu lourd. Le jour où tu m'as rencontré était un jour triste à mourir. Et je traînais dans mes pensées un chagrin à n'en plus finir. Mais il a suffi que tu viennes pour que j'oublie toutes mes peines. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent. C'est merveilleux, la vie peinte en bleu à grands coups de soleil. Puisque je t'aime et que tu m'aimes, c'est merveilleux. Ah, Yves, ça, il arrive dans la ville Piaf et dans la mienne, hein. Parce que, enfin, je n'ai pas seulement été un auteur pour Yves, j'ai d'ailleurs écrit très peu pour Yves, j'ai écrit 5 chansons, je crois. Pour la bonne raison que, quand il est arrivé, il chantait que les cow-boys ou les imitations, hein, avec le grand chapeau et tout ça. Et Edith m'a dit, il faut qu'on le débarrasse de ça à tout jamais. Tu vas lui faire des chansons inchantables, qui travaillent dessus, qui en bavent, qui peinent dessus. Alors je lui ai fait une chanson qui s'appelait « Ce monsieur-là », qui durait 6 minutes. Vous voyez ce que c'est, à l'époque, c'était quelque chose. Il en bavait, le pauvre. Ce monsieur-là vivait tranquille, le nez, le front, le cœur moyen. Il travaillait dans les textiles et son bureau lui plaisait bien. Je lui avais dit, tu seras une vedette un jour, Yves. Alors il faut que tu apprennes à écrire. Tu sais pas écrire, il faut que tu apprennes à écrire. Il faut que tu apprennes à parler, tu sais pas parler. Et je lui avais donné à lire, je lui ai dit, tu lis ce livre, c'était Baudelaire. Il faut que tu apprennes les poètes, que tu les connaisses. Je l'ai rencontré un jour sur le pont de l'Alma où je sortais, moi. Et lui, sans me prévenir, il a couru chez moi à toute vitesse, bouleversé. Il m'a rencontré sur le pont de l'Alma, il m'a sauté dans les bras en me disant « Henri, Henri, je comprends Baudelaire !»« Maman, ma petite gosse, on va faire la noce, je t'amène en carrosse jusqu'à Robinson. » Vas-y, fais-toi belle, sors tes ribambelles de blanches dentelles en point d'Alençon. Le soleil se bacnaude, il y a des valses qui rôdent sur des airs d'amoureux. Yves est venu me voir un jour dans sa loge à l'Étoile. Il m'a dit, Henri, j'ai quelque chose à te dire, je veux te dire, je peux pas te cacher ça, qu'est-ce qu'il se passe? Et ben voilà, je suis amoureux d'Edith. Je lui ai dit, écoute, si tu crois que ça se voit pas, il y a un moment que je le sais que t'es amoureux d'Edith, c'est visible à l'œil nu. Parce que il y avait entre Edith et moi une sorte de petite convention. Edith m'avait dit qu'elle était amoureuse de moi, ben. Mais que tant que je resterais marié, elle ne me prendrait pas au sérieux. Et moi, je ne voulais absolument pas divorcer. J'avais une femme magnifique que j'avais connue alors que je prenais un mauvais chemin dans la vie et à qui je devais beaucoup. Et alors, il y avait donc quand même un petit truc avec Edith. Et il le savait, Yves. Il s'est confié à moi pour toutes les aventures qu'il a eues avec Edith, parce qu'il n'a pas été très heureux avec Edith. Edith
était amoureuse. J'allais dire, presque avant l'amour. Elle avait une période terrible avant d'être vraiment la maîtresse du bonhomme. Mais dès qu'elle était la maîtresse du bonhomme, elle n'attendait qu'un autre amour pour être heureuse. C'est pour ça que le ciel n'y comprend rien. Les jours de lumière, les mots des prières, tous en procession. Alors, Padam Padam, c'est une musique que j'avais écrite et que j'avais écrite pendant la guerre. J'ai connu Édith Piaf, à qui je montrais des musiques, et elle était frappée par cette musique-là. Elle a fait faire des paroles d'abord par un merveilleux parolier qui, moi, depuis qu'il a écrit Mon Légionnaire et toutes les chansons de Raymond Arceau. Cette version ne s'est pas plu. Un jour, fin septembre, à la fin de la saison d'été, je reçois un coup de téléphone d'Edith du casino de Deauville à 3h du matin, qui me dit, tu es un imbécile, je fais faire des paroles par Henri Conté, ça s'appelle Padam Padam. Et c'est Edith qui m'a poussé à ça. Tu vas me le faire un jour, ce truc de ce Glansberg là, ce bruit de zinc là, tadan, 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 fais-le-moi, merde. Et quand elle a fait tadang, 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 j'ai dit, mais je vais remplacer ça par des onomatopées. Je dirais que c'est une musique. Et je dirais que c'est une musique et je ferai une chanson sur la musique. Padam est chantée par toutes les générations confondues. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. Et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 qu'il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est le nerf qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des restes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 once again you are whispering low. Hold me closer, my darling, I love you so. J'ai connu le Seine-de-Lille pendant la guerre, on prenait le métro, oui. Donc c'était la guerre. On prenait le métro et on est devenus tout de suite des amis, hein, Lucienne et moi. Printemps, sais-tu que ce soir-là, cependant que tu dormais dans tes lilas. Jeanne de Lille, pour moi, c'était une des plus belles voix du music-hall. Hein. Une des plus belles voix populaires. C'était la chanteuse populaire au grand sens du mot, hein, pour moi, Lucienne de Lille. C'était, je trouvais cette femme bouleversante.
beaucoup plus que des femmes qui avaient une vedette plus grande qu'elle, peut-être. Mais elle, c'était étonnant. Ce cœur, elle chantait avec son cœur, c'est ce qu'elle avait dans le cœur, ça lui montait dans la gorge, c'était étonnant. Je n'ai jamais retrouvé ça nulle part, une voix comme celle de Lucienne Deligne. C'est vrai. Mais il est certain que Lucienne, maman, a enregistré énormément de chansons écrites par Henri. C'est une chanson qu'Henri Contet avait écrite pour les paroles et Aimé Marie pour la musique. C'est ma chanson préférée, ça s'appelle Pour lui. Je suis la servante de mon homme à moi. Quand je suis contente, c'est à lui que je dois. Si l'amour pouvait se dire, j'ai connu Lucienne, j'ai connu forcément Barelli. Et j'ai commencé à faire des chansons avec Barelli aussi. C'était un espèce de trio. Vous voyez, c'est un vrai. Le trio. Henri un jour a dit que maman, moi et mon père, on était un trio, mais lui formait un trio avec elle et lui. Un trio qui pourra jamais se dissoudre. Je pense que les rapports qu'il avait avec mes parents étaient différents que quelqu'un qui vient. Faire écouter des chansons, c'est-à-dire que mon père faisait une musique, Henri faisait les paroles, il venait à la maison, il téléphonait. Un vieux monsieur décoré d'une fleur se promène près de la Seine, court la reine. Le vieux monsieur ne dit rien, mais du bout de sa canne, il enflamme Notre-Dame. Aimé, c'était le rêveur, le rêveur et créateur. Ah oui, c'était le rêveur. Combien de fois, quand on était ensemble en vacances ou des choses comme ça, il me disait une phrase, il disait, tu l'as écrit, ça? Tu sais fait, ça? Non, il dit, je viens de le faire. Mais merde, je disais, écris-le, bon sang, quoi. Il était comme ça, c'était un oiseau. Pour que ça soigne, ok? Compris? Allez, Dédé, je compte sur toi. Je suis amoureux d'une gosse aux grands yeux. Ça marche, ça marche. On se donne la main, elle rougit d'un rien. Ça marche, très bien. Le dimanche, on va voir la nature, les ruisseaux, les oiseaux. Je lui cueille des brassées de verdure, des bouquets de bleuets. Quand le soir descend, on revient tout doucement. On marche, on marche. Mais tous les trois pas, je la prends dans mes bras. Ça marche, comme ça. Mais tranquille ou pas, notre amour est là. Qui marche, comme ça. Quand je suis contente, c'est à lui que je le dois. Jacqueline, c'était une voix de micro. Admirable. Les musiciens disaient toujours, avec elle, on ouvre le micro, elle chante, et puis c'est comme une rivière qui coule. C'est merveilleux, il n'y a rien à faire.
Je faisais une tournée à mes débuts avec Bourvil. Et dans cette tournée avec Bourvil, il y avait un chanteur qui faisait partie du spectacle qui s'appelait Henri Decker. Et il m'entendait toujours chanter Printemps. Printemps, sais-tu que ce soir-là... Bon, il me dit, tu sais qui a fait ça? Je lui dis, oui, naturellement. D'autant plus que le nom d'Henri Contet, je le connaissais bien parce que quand j'entendais Piaf, étant adolescente, je l'entendais souvent dire « Une chanson d'Henri Contet, nanana, une chanson d'Henri Contet ». Alors, ce nom de Contet, évidemment, m'était pas inconnu. Et ce chanteur, donc, dans le programme, me dit « Si tu veux, moi, je connais très bien Paul Durand, je peux t'emmener chez lui. Il te donnera des chansons, il a une édition. » J'ai dit oui, comme j'ai bien fait. Et j'ai donc connu Durand, Paul Durand, qui m'a fait par la suite des chansons, qui m'a donné Mademoiselle de Paris et qui m'a fait rencontrer Henri Contet. J'inventerai des prières pour lui, rien que pour lui. Il y a eu aussi Moi je dors près de la Seine. C'était un homme de radio, Paul, il avait d'ailleurs son orchestre de radio. Durand prenait souvent des colères parce qu'on n'était pas d'accord. J'en prenais aussi. Je les partageais, ces colères. Et il claquait la porte, moi aussi, quand c'était mon tour, et on était sensiblement fâchés, pas trop gravement, mais enfin tout de même. Il y avait des coups durs et des... Bon. Et c'était toujours Henri Contet qui venait à la rescousse avec sa douceur, son air angélique, et qui arrangeait les choses. Donc je lui devais beaucoup. Il m'avait appris le sentimentalisme, Paul. C'était un auteur de blues, un auteur de slow, hein. C'était un compositeur qui avait un grand orchestre et qui m'a, dès mes débuts après la guerre, fait chanter avec 40 violons derrière moi, ce qui n'était pas courant à l'époque. Mais Paul, j'ai jamais pu le faire travailler pour Piaf. On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie, c'est un petit peu la nôtre. Son royaume, c'est la rue de Rivoli. Son destin, c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est... Oui, alors ça, Mademoiselle de Paris... C'est presque plus une femme qu'une chanson pour moi, parce que dans le monde entier, on a appelé Jacqueline François Mademoiselle de Paris. Hein. Je dis toujours que c'est mon passeport. Celle-là a pointé plus que les autres, elle a fait le tour du monde. Elle chante un air de son faubourg. Elle rêve à des serments d'amour. Elle pleure et plus souvent qu'à son tour. Mademoiselle de Paris. Elle avait un petit minois, un petit nez en l'air, elle était coquine et coquette, oui, et coquette. Elle est restée coquette, hein. Il écrivait très bien les chansons réalistes et très bien les chansons sentimentales. Eh bien, Boléro, on s'est un peu partagé la création entre Guettari, qui l'avait chanté, et moi. J'ai un amour profond pour lui. Une reconnaissance infinie, et il m'a vraiment traîné au bout du monde à travers ses chansons. Et pour finir, je vais lui dire « Je t'aime ». Et Boléro, dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, où chantent les guitares. Tout le monde fort. Et vous avez oublié. C'était la plus facile. Boléro, dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, où chantent les guitares. Vous voyez, ça tombe tam, 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 comme ça. Aïe, aïe, voilà. Aïe, aïe, c'est là le aïe, aïe, aïe. C'est profond, aïe, aïe, c'est poétique. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils ont été chercher? Aïe, 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 aïe. Les accents toniques de la musique doivent marcher avec les accents toniques de la langue.
D'ailleurs, vous savez, j'ai une preuve, moi. Quand j'ai écrit Boléro, qui est une chanson commerciale, hein, purement commerciale, c'est rien du tout, mais ça a été un énorme succès. En Amérique, ils ont fait un bide noir avec, parce qu'ils ont voulu garder Boléro. Et en France, Boléro, l'accent tonique sur beau, hein. Et en Amérique, ça, c'était disgracieux comme tout en américain. Et j'ai téléphoné à un des auteurs américains que je connaissais, Paris, qui s'appelait Paris, et je lui ai dit, mais non, il faut que tu trouves une phrase. Tu fous en l'air Boléro et tu trouves une phrase. Il a trouvé All My Love, hein, All My Love. Et ça a fait un succès énorme. Ce matin, je l'ai vu, le pavé de ma rue était bleu. Mon amour, c'est vraiment un miracle étonnant, ils sont bleus. J'ai eu la même surprise avec Montagne d'Italie. Montagne d'Italie, j'avais écrit ça en m'en foutant parce que le directeur d'Odéon, à l'époque, avait cette musique de Tony Murena. Il me dit, je veux que ce soit toi qui fasses tes paroles en riz. Mais ne m'emmerde pas, ne dis pas que ça va pas, Montagne d'Italie. Je veux que tu gardes le titre. Je dis, non, ça va pas. Montagne d'Italie, le mot est coupé en deux, je peux pas écrire ça, c'est pas possible. Ah, il a dit, non, tu me gardes le titre ou je t'enlève la chanson. J'ai dit, bon, j'écris ta chanson, mais fous-moi la paix avec. Montagne d'Italie, souvenir dans ma vie. Farandoles et chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. J'ai adapté toutes les musiques de Dimitri Tiomkin, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. C'était le musicien des films de la Warner. Si toi aussi tu m'abandonnais. Il arrive à Paris, il me disait, Henri, j'ai deux musiques pour toi. Il faut que je t'explique le film. Bon ben, d'accord, où ? Au bar du Georges V. Il descendait toujours au Georges V. Tu viens au bar à 6h du soir, d'accord. J'arrivais au bar du Georges V, plein de monde, et Dimitri m'expliquait le film. Il avait 1m80, Dimitri Tiomkin. Alors il se levait, il se mettait debout. Alors tu comprends, à ce moment-là, John Wayne, il arrive. Alors, pam, 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 il tire. À ce moment-là, tu fais pas la chanson, il n'y a pas encore eu de coup de feu. Mais pam, 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 quand il y a les deux... Tout le bar nous regardait, il faisait des gestes, il foutait les verres par terre. Bon, c'était un personnage étonnant, Dimitri Tiomkin. Mais c'est moi qui t'enlève dans mes bras. D'Henri Conté et de Louis Guy, bravo pour le clown. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. C'était chez Piaf. Elle m'avait donné un texte d'Henri Conté en me mettant au défi de faire une musique. Elle me dit, oui, tu fais des chansons pour la rive gauche, des chansons comme ça, avec des musiques un peu confidentielles. Et mon chef d'orchestre, qui était Robert Chauvigny, pense que tu n'es pas capable, l'a dit ça peut-être plus gentiment, d'écrire une mélodie large, une mélodie Piaf, quoi.
Je me suis mis à ce piano toute la nuit, après avoir été mis au défi. Et je crois que quelques heures plus tard, il devait être 4 ou 5 heures du matin, j'ai trouvé la note finale. Et j'étais content de moi, je dois dire, parce que c'était la réponse à la provocation de Piaf, qui n'était qu'une provocation, elle n'en pensait pas un mot, elle me l'avouait après. Et j'étais si content que je l'ai réveillé. J'ai dû bien voir, pas du tout conscient de ce que je pouvais tirer une femme du sommeil, etc. Et je veux dire, elle a apprécié, elle est venue, elle a mis sa robe de chambre, elle a entendu, elle a commencé à la répéter, elle l'a même appris. Et après, je lui ai dit, mais Comté ne la connaît pas. Alors on a rêvé Comté aussi, il devait être, je sais pas, 6 heures du matin. Elle a dit, on a fait la chanson, soit devant ta porte, on arrive en voiture dans un quart d'heure. On n'a même pas attendu la réponse, elle a raccroché, on est parti. Il est venu, donc, dans le jour qui se levait. Et je crois que jusqu'à l'arrivée du personnel qui nous a porté le petit déjeuner, nous avons joué, rejoué. Voilà le bonheur qu'il y a autour de la composition de cette chanson. On pourrait peut-être en donner un petit bout, une petite idée. Où sont les paroles? Attends, tiens, elles sont sur le piano. Attends, je vais mettre au piano. Ah, oui, ça c'est pas ce que tu fais de mieux, mais enfin... T'es beau, tu sais, et ça s'entend lorsque tu passes. T'es beau, c'est vrai, j'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te désire du bout des doigts, ton front, tes yeux, ta bouche. Piaf a changé un mot. Je sais qu'il avait écrit « Je te dessine du bout des doigts » et elle avait dit « Je te désire du bout des doigts ». Peut-être qu'elle l'a mal lu, peut-être qu'elle l'a fait exprès, j'en sais rien. Son histoire a commencé par marcher derrière son dos et rentrer dans les cafés en parlant à demi-mot. Et pendant qu'il buvait, son histoire s'en allait en laissant comme pourboire des « on dit » sur le comptoir. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela et qu'il a dit ça. Opinion publique, c'est la musique de Marguerite Monod, c'est un chef-d'œuvre. Quand on se balade, nous deux, avec Lily. Mais là, il me fait venir ses ailes jaunes en disant, moi j'ai envie d'écrire quelque chose avec vous. Et alors, je lui dis, mais dites donc, moi je suis pas à votre disposition, hein. Enfin, ça commence assez mal comme ça. Depuis l'avenue du Bois, jusqu'à Belleville, ah, que j'aime ça. C'était toujours sa bonne, Yvonne. Et catastrophe, qu'est-ce que c'était qu'Yvonne? C'était Madame de Gaulle. Et mon temps m'a dit, je veux plus chanter ça, donc tu laisseras Yvonne. Je suis anti-de Gaulle. Je chanterai plus le carrosse, donc tu laisseras Yvonne. J'ai jamais changé, j'ai dit, démerde-toi. Il attendait. Il faut qu'on mette les paroles, les mots sur ma musique. Si j'ai un texte, je suis perdue. Je n'ai plus d'inspiration. Alors c'est très embêtant pour le parolier. Il faut qu'il fasse ti da 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 da. Il faut qu'il dise il attendait son carrosse. Bon, mais il faut qu'il le trouve et c'est très embêtant. L'autre jour d'ailleurs, j'étais avec Mireille. Puisque j'ai été de ses élèves. Et elle me racontait comment Henri avait vu que le carrosse était une chanson rigolote. Mais ce qu'il y avait de formidable aussi dans Henri Comté, c'est qu'il nous amenait toute une chaleur humaine, toute une espèce de tendresse pour nous qui étions les jeunes. Et il se déplaçait pour venir nous voir.
Un rêve a fait le tour du monde sur les épaules d'un marin. Une de mes chansons que je préfère, que personne ne connaît parce que le film a raté, qui s'appelle Les Neiges de Finlande, la chanson. Et c'est une chanson que j'adore, ça, moi, voyez-vous, je le dis le plus tranquillement du monde. Alors je dors sur des légendes et je peux voir de mon grenier tomber les neiges de Finlande sur les Noëls d'Aubervilliers. Henri a confié à ce jeune garçon inconnu qui s'appelle toujours Roland Vincent, un très très beau texte qui s'appelait « Et rien de plus » et qui disait « Je n'ai rien vu du grand portail sur les montagnes du Tibet, je n'ai rien vu de ce corail sous l'île rose qui flambait, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu le bleu pastel des fleurs géantes du Pérou ni les reflets de l'arc-en-ciel qui vont mourir près de Corfou, moi je n'ai vu que ton visage et rien de plus. » J'ai fait un apprentissage d'auteur comme tout débutant. Et je me souviens avoir rencontré Henri Conté. J'ai sonné à sa porte, donc le rendez-vous avait été pris par l'édition Chapelle. Et là, qui m'a ouvert la porte? Un seigneur. Je pense que autant je pourrais définir Gainsbourg comme un dandy, Henri Conté, un seigneur. Robe d'intérieur, droit comme un i, superbe, impressionnant. Une stature et un sourire tellement, tellement, tellement doux. Il a eu donc l'occasion de me donner deux leçons ce jour-là. Une leçon d'humilité par le fait qu'il m'a accueilli aussi humainement, aussi chaleureusement. Et en même temps, une leçon de simplicité par le fait que j'étais venu avec un texte très, très confus, très, très mal fait, qui était une espèce de marécage, on pourrait dire ça. Et de ce marécage, il a... En se mettant au travail et vite fait, il en a fait une espèce d'eau limpide. Fleur de souris pour tes 20 ans, nous v'là qu'on suit ton enterrement. J'avais besoin d'elle, j'avais besoin de leur voix, de leur... Oui, ça m'a arrêté, ça m'a complètement désorienté. J'avais besoin d'une muse, d'un visage, d'une voix, pour quelque chose qui résonnait en moi, hein, qui fait que ça m'invente, c'est ça qui faisait que j'inventais des mots. Qu'il était beau le piano, bon piano, vieux piano, des copains, à l'époque des copains, chez Bianco l'Argentin, vers 3 heures du matin, quand elle buvait son demi-doubli. Et seule maintenant, elle pense au vivant de ce vieux piano mort. Les années 60 m'ont un peu surpris. Ces paroles enfantines, ces paroles un peu, quelquefois niaises, m'ont choqué. Je l'ai rencontré parce qu'il venait de voir une émission que je venais de faire avec Aimé Mortimer. Et le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire, bah, écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait hier soir et j'aimerais bien vous montrer quelques chansons. Il avait des émissions magnifiques d'ailleurs à la Maison de la Radio. Il faisait une émission par semaine et où c'était sur 35 pays. Ça s'appelait, je crois, France Applause. J'ai connu John Baez avec ma femme chez des amis en l'été 95. Donc il arrive à 5 heures et il voit une dame avec les cheveux gris comme ça. Puis il était en train de la regarder. Je dis, je vous présente John Baez. Alors là, il a été mais surpris, puis heureux. Et elle a été extraordinaire parce que... D'un coup, elle lui dit, je peux chanter pour vous? Et elle lui a chanté a cappella une chanson. Et là, j'ai vu les larmes d'Henri couler. Minouche me dit, voilà, je veux que tu me fasses une chanson sur Lucienne, sur maman et sur moi. J'ai dit, mais je ne saurais jamais faire ça, ma pauvre. Ça a été assez difficile. Bon, enfin, j'ai fini par faire la chanson avec ma femme. Elle et moi, on s'aimait sans le dire. Elle et moi,
une femme, une enfant. Elle chantait et m'apprenait à vivre. Elle cherchait son amant de Saint-Jean. Ah oui, je me suis reposé 30 ans, c'est pas mal. Franchement, dans mon spectacle là, que j'ai fait à partir de chansons moins connues de Piaf, les trois que j'ai le plus plaisir à chanter, que je trouve les plus dans la modernité, c'est celle d'Henri, franchement. Hein. On l'avait appelé coup de grisou un jour qu'il était en colère et qu'il avait mis sans dessus dessous tout un bistrot avec les verres. À force de peiner dans le noir, il n'aimait que la couleur du soir. Et il y a en même temps un classicisme dans les mots de Henri, mais vraiment un classicisme au sens d'une grande rigueur. On est à la fois dans le truc prestigieux de la France, de la culture française, et puis on est dans le côté canaille des Français. Et ça me fait peur, car on m'a dit qu'on ne prendrait pas au paradis. Bah, les textes d'Henri, c'est du velours. Mais il faut être en forme pour les faire, hein, parce que ça scintille, il y a tellement de niveaux. C'était un gars que la des veines, un jour avait pris par le bras pour l'emmener dormir à Fresnes. Et c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Il trimballait ses idées noires afin de noyer tous ses ennuis dans les endroits où l'on va boire, et ses ennuis nageaient mieux que lui. La salle est écroulée. Dans ses chansons, le deuxième degré, il y est déjà. Et par quoi il y est? Par vos paroles. C'est que vos paroles, elles apportent cet humour et cette distance. L'élégance, c'est de rire des choses. Je t'aime, tu sais, t'es terrible, toi. T'es l'artiste que j'ai connu trop tard. Et un jour, cet air me rend folle. 100 fois, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Badam, badam, badam. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Ma dernière découverte, c'est ma dernière découverte, mais il existe déjà depuis un moment, c'est Mano Solo. Mano Solo, moi je trouve ce type qu'il a quelque chose à dire, il le dit bien. C'est bouleversant, comme il le dit. C'est bouleversant, c'est étonnant. Et il a derrière lui un apport musical que je comprends très bien. Des guitares qui sonnent bien, des... Oui, c'est toi, réaliste. Exact. Vous avez raison. C'est l'héritage de frère. C'est un frère, eh oui. Je retrouve dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il pense, je retrouve de vieilles envies d'écrire ça. Si j'étais libre, si j'étais plus jeune, je ferais des plagiats de ces chansons, j'écrirais comme ça. La chanson, c'est ma vie, vous savez. Je ne, quand j'entends quelqu'un qui chante et quelque chose qui m'accroche à l'oreille, plus rien n'existe. Je veux écouter. Il n'y a que la chanson qui me fait vivre, il n'y a que la chanson qui m'intéresse dans la vie. J'imagine faire tout un concert comme ça, je sais pas comment elle faisait, cette femme. Ça m'a tué. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi.
padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des veux-tu, en voilà pas.